Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon fois encore, gros bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement information. Je nous annonce l'identité staff technicien qui travaille sous projet construction barrage Marion présenté phase finale travail ça jeudi 15 avril là Palais National sous invitation président République là Jovenel Moïse présentation ça fait dans présence coupe présidentielle là ambassadeur pays Cuba en Haïti ak leader communautaire qui sorti dans différentes zones dans département d'Est là Sabine Jean-Étienne Lydie Dieudonné pour détail. Brasserie de Savigny deux semaines avant inauguration barrage hydroélectrique sous rivière Marion une façon pour permettre technicien cap travail sous projet à présenté par la population hein, tout détail qui entourait le processus construction barrage là avec photo, vidéo et puis tableau indicateur sous phase finale là. Para lograr el objetivo pour l'électricité et comme la division de batterie pour l'irrigation pour l'électricité. Mais qui s'est passé? Il y a une combinaison qui fait entre deux systèmes ça l'eau qui passe pour aller sur le niveau de l'électricité, même l'eau ça, la va utiliser pour la rivière pour servir pour l'irrigation. Okay. Et par exemple, et quantité d'électricité, nous avons produit dans la période de la pluie, ça veut dire que quantité ça, la va augmenter, nous avons produit plus d'électricité. Dans la période de la pluie, les rivières avant cru, ça veut dire quantité de l'eau qui est entrée, les rivières normales, quantité ça va augmenter. On a la permettre nos produits plus électriques. La pluie qui s'est tombée sous le département nord-est là pendant le dernier jour, ça a commencé à montrer bien fait barrage là. D'après le ministre de l'Agriculture, agronome Patrick Sever, il y a une première phase côté 2100 hectares pour la rosée. Il y a une phase 1, qui c'est barrage Marion avec une zone que vous regardez tout à l'heure là, Malpiti, qui déjà lui-même arrosé. 1900 hectares, 2000 hectares. Moins 2100 hectares. Mm-hmm. Là, il dit zone ça, il y a tant de l'eau sous l'île déjà. Oui, Malpiti, il y a 1900 hectares, 2000 hectares. Il y a de l'eau sous l'île déjà arrosé. Il y a du marron à arroser, c'est ça, là, qu'on y a. Oui, il va avoir une eau à hauteur de 70 mètres pour pouvoir descendre par gravité pour arroser plus de terre. Okay. Qui quantité de terre et dans quelle zone déjà arrosé? Déjà arrosé, on a parlé de bagage par mètre carré. Il passe sur le terrain. L'autre dit, bah, mais dans la zone où il est là, oui, ça va en carré pour vivre qui bon, pour vivre terrier rouge. Ça va en carré terrier rouge. Et il y a une troisième phase qui, on se voit dans le projet A, qui a sorti dans la rivière du Nord, qui a le contrat. Qui a le contrat avec qui a le contrat avec Marion. Président Jovenel Moïse confirmé l'inauguration barrage Marion pour premier mec à venir là. Pendant qu'il profite des techniciens, il travaille plus rapide dans l'autre construction, tant qu'au barrage sur rivière La Tannerie et barrage sur rivière Massacre. Ah, il a nous, on n'a pas parlé dans le travail là. Il va nous lire, non? Il va nous une promesse de campagne. C'est la campagne, là. Ce matin, il a dit que je crois là-dedans. Mais je crois que le pays a ajouté à ceux qui ont retiré dans sa vie, c'est pour nous maîtriser avec gérer l'eau surface. Ça veut dire qu'il y a 40 milliards de mètres cubes d'eau qu'on met dans la mer chaque année. C'est comment pour nous faire? Et nous passer dans 284 rivières pour y aller. Comment pour nous faire pour nous mettre un programme clair sur 25 ans qu'on a venu? Moi-même, je commence avec Marion. Sur 25 ans, je commence avec La Tannerie. Ça veut dire sous Grand Rivière du Nord. Je commence avec Massacre. Parce qu'on a fait un barrage sur Massacre là. Mais la différence qui est pour tout le monde, là, on voit un barrage qui a fait sous Grande Rivière du Nord et Marion, c'est que Marion lui-même il a un réservoir sur lui. Ça veut dire qui ça? La rivière a descendu, j'en ai entendu l'ingénieur Walter Sotabdilla. Par exemple, dans le mois d'avril là, nous sommes à 140 mètres cubes seconde. À 140 mètres cubes seconde, il est impossible pour inonder. Barrage, la table de l'embalement de l'ingénieur Walter. Question pour qui l'est pour le David répondre pour mon Dieu.
qui le que barrage la tannerie a fini, qui est même balousé environ 2000 hectares. Tout dans plein du nord, mon quand j'ai tenté de garder mieux là. Et mon limonade, mon grand premier, nous avons répondu parce que le canal là nous finit pour ingénieur Walter répondre qui le barrage la tannerie a fini. Construction barrage sur rivière Marion, c'est résultat coopération technique entre Haïti et pays Cuba. Barrage micro-central hydroélectrique ça pral arrosé plus passé 10 000 hectares. Il y a un réservoir 10 millions de mètres cubes et puis 3 digues en terre pour faire remplissage. Il y a 2 conduits de l'eau et puis un déversoir en béton qui a une capacité 450 mètres cubes chaque seconde avec une station pompage solaire 53 kW. Président République là, Jovenel Moïse, présidé 77e Conseil ministre, qui déroulé dans le Palais national mercredi 14 avril 2021, tout de suite après démission au gouvernement ancien Premier ministre Joseph Jout, qui a dirigé. Nouveau Premier ministre A.I. Claude Joseph, qui a assisté au Conseil ministre, côté concerné au Palais, sous nécessité pour rétablir l'ordre public sur le territoire national là, et puis poser actions concrètes pour renforcer ses non pays. Chef l'État fait connaître Premier ministre A.I. Claude Joseph a bien pour engager le nouveau dialogue pour faciliter un climat la paix, sérénité avec différentes couches dans la société. Dans le cadre du 77e Conseil ministre, autorité a abordé l'aspect criminalité, le kidnapping et l'action violence, gang armé a fait, dans le kidnapper leader religieux, prêtre catholique, homme d'affaires et l'autre citoyen dans le pays. Le Conseil supérieur police nationale a plus impliqué dans le plan d'urgence pour couper phénomène insécurité. Toujours dans le cadre du Conseil ministre, président de la République, Jovenel Moïse, Zedili engagé depuis quelque temps dans un dialogue systématique avec Akteyo pour déboucher sur instabilité politique. Dans la réunion de travail, sa décision prend pour couper le phénomène kidnapping, arrêter présumé bandit et puis engager poursuite judiciaire contre toute gang armée. De l'autre côté, secrétaire d'État et directeur général ont défi captain dans le cadre d'approche référendum et réalisation élection. L'autre nouvelle, Premier ministre A.I. Dr. Claude Joseph réalisé première réunion de travail avec Conseil supérieur police nationale là jeudi 15 avril 2021. Dans le compte ça, insécurité a qui pas suspendre par les terrains, si tout phénomène kidnapping n'a tenant mi temps discussion. Dans un tweet li publié jeudi 15 avril là, li fait qu'on ait une décision qu'a prend pour résoudre avec efficacité problème insécurité a sans perdre de temps. Et puis, Premier ministre A.I., Dr. Claude Joseph, installé jeudi 15 avril 2021, Michel Patrick Boisvert en tête, ministère planification et coopération externe. Chef gouvernement, mandé nouveau ministre planification et coopération externe pour lui consacrer tête li pour bail résultat. Le ministère de la planification et de la coopération externe a pour mission de concevoir, piloter, animer la planification du développement et coordonner l'apport externe en support à l'effort national de développement. À ce titre, il a pour attribution, entre autres, de définir des orientations, priorités et perspectives de développement socio-économique au niveau national et local. Soutenir l'essor du développement national et local à travers la concertation des institutions et des secteurs concernés. Assister les collectivités territoriales dans leurs activités de planification du développement et fournir un support technique à la mise en œuvre de leurs plans et programmes. Assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des politiques, stratégies, schéma, plan et programme. Enfin, organiser et coordonner le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation des investissements publics dans le respect des prérogatives et de l'imputabilité des institutions et secteurs concernés. Monsieur le ministre, de par votre fonction de ministre de l'économie et des finances,
Vous êtes mieux placé que moi pour comprendre l'apport du ministère de la planification et de la coopération externe dans la dynamique de développement et de la nécessité de composer avec les ressources extrêmement rares pour aboutir aux meilleurs résultats possibles. C'est également pour cette raison que le chef de l'État et moi-même avons placé en vous cette confiance pour mener à bien cette tâche si difficile. Je vous souhaite donc, mon très cher et grand ami, du courage et bon travail. Environ 2 mois depuis l'arrivée dans cette institution, nouveau coordonnatrice programme national cantine et scolaire Gina Delatour lance programme cantine à l'école pour l'année 2021 dans le département nord-ouest. Plusieurs communes dans le département ça a déjà commencé à exercice distribution manger par élèves de l'école différentes catégories. Esaïe Aurelius, Bernard Marseille, compte rendu. Département Nord-Ouest, c'est le premier département qui recevra le programme national cantine scolaire pour l'année 2021. Le programme ça a été campé depuis quelques temps pour recommencer dans le bénéfice des élèves de l'école publique ou privée. Pour qu'on y a différentes communes de département ça a recevra produits alimentaires et matériels pour permettre aux élèves de l'école de recevoir un plat chaud. Puis on démarche, les élèves bénéficiaires ont applaudi. C'est plus gros bagage que vous avez fait pour nous parce que les élèves vraiment, les élèves, la faiblesse qu'on a eu à terre. Tellement que des fois on pas manger on va venir l'école. Il y a une certaine content pour une initiative ça que on prend. L'on prend le cas d'un élève qui a sorti dans une zone qui est très éloignée. Donc élève ça a fait toute initiative pour arriver à l'école en bonne heure à 6h et puis élève ça a qui pas de temps prend rien la caille donc les que élève là il commence à prendre midi pour 1h donc élève là grand goût ça compte permettre pour lui rater professeur yo. Donc bagay ça qui vient poser un pile problème surtout dans moment examen yo. Donc élève ça il vient à baratement au connait niveau réussite là il très bas pour lycée. Tant que élève l'école yo quelques responsables l'école remercier dirigeant PNCS yo qui décide de retourner à cantine dans l'école yo. Yo était quoi ça va permettre yo joindre plus rendement sur plan éducatif. Souvent si moun yo vinn l'école yo pas ka kembe parce que au grand goût bien sorti de loin commune là. Le vinn là yo vinn vide. Pour faire ce travail, c'est comme si vous l'avez, vous ne parlez pas. Pour ça, nous disons merci avec excellence, nous, Jomo, et puis Mme Martine. Gros choix ça, choisi Mme Guillet pour représenter PNCS au niveau national pays. Bon proverbe qui dit vente affamée par les oreilles. Si vous avez la nécessité, et ça te permet que le rendement scolaire te diminue tout, parce que vous n'avez pas gagné. Ils ont plat chaud, ils étaient capables de prendre chaque jour. Mais grâce à PNCS, je dis à nous content que PNCS peut manger pour nous, pour que nous capables de joindre un plat chaud chaque jour dans l'école là. Et nous battons un gros bravo pour PNCS et nous souhaitons que PNCS continue d'aider nous. Coordonnatrice générale PNCS là, Gina Delatour, fait qu'on est, c'est une obligation l'État gagné pour supporter les gens qui n'ont plus besoin. Pendant le rappel important cantine dans l'école, yo, li promet pour travail, pour des matchs ça a toujours été. Je mange dans la cantine et me songe chaque fois mal dans la cantine. C'était un plaisir pour moi. Et manger à te combattre dans la dignité, je suis un réfectoire, je suis un et une belle cuisine, un bel travail qui est fait dans la question. Parce que ce programme, je connais très bien. Je suis bénéficiaire de ce programme et c'est l'histoire ça qui permet que je vienne dans ce programme. Officiellement sous coordination PAMNA dans le niveau département Nord-Ouest. Et PNCS vient plus passer 20 ans d'existence. Donc ça veut dire que c'est un programme. Si on dit un projet, il n'y a pas de période. Mais son programme, il doit exister tout le temps. Et il vient plus passer 20 ans, ça veut dire déjà son programme qui est viable. Pour l'année 2021, responsable cantine scolaire, il fait qu'on est, il entend 1 400 000 personnes manger à travers le pays en attendant de plus et plus. Pendant l'activité lancement ça, il a profité de remettre 4 motocyclettes à moun qui participent à viser le programme dans le département.
Merci pour fidélité au acte téléjournal. Là, on a prêt à poursuivre avec information pour nous faire connaître. Président de la République, là, Jovenel Moïse, condamné comportement d'un groupe monde qui mettait diffé dans plusieurs poteaux électriques dans la commune Corail. Même ça a répété tout dans la commune Ferrier. Côté individu, boulet plusieurs panneaux solaires qui tapent alimenté pompe dans la commune ça. Chef l'État a demandé à la population à ne pas situer personne qui a détruit une série de projets de développement qui a réalisé dans la zone. Un extrait. Nous profitons de l'occasion de nous dire nous-mêmes, mon ferrier, un problème qui passait dans le système solaire qui est installé. Il faut nous prendre précaution pour ne pas arriver encore. Ça veut dire qu'il faut nous connaître que les gens, l'homme qui décide de faire brigade politique, c'est pour nous dire, même les gens de Jérémy de faire. Les gens qui passent par le Jérémy, ils ont été mis à un logout ou non pick-up. Ils ont été mis à un logout, ils ont été mis Nous ne pouvons pas bouler le gars, nous ne pouvons pas bouler le côté pour gaz fat là. Nous ne pouvons pas bouler là. C'est ça que nous demandons nous-mêmes dans tout le pays. Par exemple, il y a un gros bagage qui vivait dans le ferrier. Un système solaire vient installer, nous avons pompé de l'eau, nous avons posé, et puis, il y a un groupe qui décide, manifestation, premier côté, qui a écrasé des trois panneaux solaires. Écoutez, nous, si dans la Gounia, nous connaissons que nous ne pouvons pas bouler. Mais il n'y a personne, les gens qui ont fait la manifestation, pas venir manger par là pour nous. Les gens qui ont mis Firin pour former, c'est $7,000 américains. Pour acheter des pièces, parce que automatiquement pour occasion de panneau. Et les gens qui font la compte, ça le fait. Ils vont choc électrique, ils boulent l'équipement qui est là pour faire comprendre le marché. Ça veut dire que nous-mêmes, les gens ferriers qui ont fait de l'eau, depuis un an, nous n'avons pas d'eau. Mais est-ce que les gens qui ont fait la manifestation, est-ce que nous ne parlons pas? C'est pour réveiller nous. Population, clairez les yeux nous, ouvrez les yeux nous. N'a pas dormi trop longtemps. Réveillez-nous. Et c'est pour nous faire quartier par quartier, section communale par section communale, la cour par la cour, commune par commune, département par département, pour nous réveiller nous. Parce qu'il y a trop de prophètes dehors. Cap nous, cap dit nous, ça passe, cap nous dit. Parce que vérité à l'autre, il y a Marion. Vérité aujourd'hui, c'est massacre. Vérité aujourd'hui, c'est barrage, la tarue. Parce que les gens qui vivent dans la cadouche, depuis qu'il y a l'heure, nous parlons de l'eau passée dans le canal. Le canal qui mesure 12 km, qui sortit depuis Grand Pré, qui arrive juste en bas dans la zone quartier Morin. Presque dans l'embrayer, depuis qu'il y a l'heure de l'eau, depuis 40 ans. Mais ça va dire nous. Ça veut dire qu'on jeune garçon dans le coup, Jeannot, pour qu'on fête. Jeannot qui s'est campé comme ingénieur haïtien campé, qui s'est réalisé le travail dans le monde. Je sais pas qu'on fête. L'air, tu as l'eau qui est passée dans le canal, qui sortit de Grand Pré, qui vivait juste. Quartier Moramba, passé 4-12 décembre. Et pourtant, ça va dire nous, nous parlons pour nous conduire aussi. Après 40 ans, je suis habité dans le canal là, et puis bon, on l'aime, on a radio, m'a pas attendu. Nous avons dit, ah, n'est-ce pas, on vient gaspiller l'argent là. On a l'argent, on vient gaspiller. Si je parle de l'autre bois, les ministres viennent réélever le président, monsieur a chauffé tête mon nom. Je suis obligé d'aller. On t'y va, rajoute un peu. Son président pour déplacer. Mal pas là, on me dit, mon nom, attendez. L'air font caille, c'est sol là où on va. La printemps pour qu'elle est montée, nèg la chauffer tête moun yo, les études qui a fait. Laboratoire national qui a travaillé pour faire études géotechniques et géophysiques dans le barrage. Yo qui a chauffer tête moun yo pour faire comprendre son l'argent. Son l'argent qui a jeté là. C'est même la Marion. Moun terrier où je cap tendez, je cap gardez là. Vous ne connaissez pas nous. Mais vagabond. Qui ont même qui parlent ou fait des développements, ils ont boulé un camion, un gros sonde laboratoire national de rien, ils ont boulé des rouges. Un équipement pour qui coûte presque $300,000. Là, nous commençons par eux. Mais nous ne pouvons pas dire ça. Pour qui ça, parce que ça, ils ont été. Ils ont boulé. L'autre jour, ils ont chauffé quelques mounes grand bassin. Je suis fait grand bassin commun, j'ai moins pour une décision de faire grand bassin commun. Il a dit, oh, président, pas fait grand bassin commun. Il y a un boulot de pick-up, grand-mère, c'est un boulot. Mais pick-up, ça boule.
équipement ça qui boule pendant ma mal à construire. C'est quoi beau? C'est l'argent. Moi-même, nous, l'homme va à l'autre côté. C'est l'âme qui va aller. Depuis le côté, je vais aller à mon Dieu qui va pour vous, qui va pour le peuple. Je dis à tout le monde, Mario après, je vois combien de centaines de monde j'ai. Mais ça, je ne vais pas te connaître. Menace, je fais. Ingénieur Gano là. Pour entrer dedans, mais ouvrier Mario, je profite de l'occasion pour nous féliciter, nous. Complimenter, nous remercier, nous. Jeune garçon avec jeune femme qui t'a appelé des détons. Je te dis, même quand on a travaillé là, on a pris un monde qui a vu une vie en dedans. Volonté, ça, c'est les mêmes marchés dans tout le pays. On ouais, l'État pour ton bail ben nous. Mais l'État pour ton bail ben nous, ramassez-le. Tant pour, on s'est arrêté. Malfaiteur qui a l'égal pour les poteaux jusqu'au rail. Corail va dans mon poteau électrique depuis le pays indépendant. Ça veut dire depuis le courant en Haïti, avec le président Antoine Simon qui fait le réseau électrique, 1911, Corail, si il y a des gens qui ont gardé, Corail va jamais gagner le réseau électrique. Ça veut dire, si on a le Corail aujourd'hui, ou pas pour un vestige, on peut tout camper. Ça veut dire pas jamais gagner le courant là-même. Première fois qu'on va avoir le courant, 2h du matin, pour te rater, on coupe tout au débarqué au boulet 17 ans. Ça veut dire, est-ce que nous avons construit mon pays dans le crasé, dans le brisé, dans le boulet? C'est pour nous construire en temps nous ensemble. Économiste Enomi Germain présenté divers facteurs qui fait gain raté dollar sur marché local. Augmentation taux dollar sur marché à dernier jour, ça y est. Ses conséquences manquées production dans quelques secteurs, climat politique là, injection dollar banque centrale qui manquait ben résultat. D'après économiste Germain, instabilité à cause crise sociopolitique là, gain conséquences sur économie pays. Économiste Enomi Germain t'a répondu que Jean-Serge Nolendor dans l'émission Mise au point sous PNH. On doit chercher source qui fait que dollar va augmenter comme ça. Nous t'ai dit que d'abord, il faut aller au niveau des finances publiques et on était d'accord. Maintenant, deuxièmement, mais faut que nous dit que faut aller chercher dans déséquilibre tout qui gagnait entre offre et demande de dollars là qui est expliqué par le fait que ou non situation côté que Sergino ou non situation côté que écoutez PIA n'tape de ça tout à l'heure PIA pas gagne dollar qu'une journée. Par exemple, au 23 mars, les transferts privés sans contrepartie dans le pays ont augmenté de pratiquement 33%. Mais l'importation a augmenté pratiquement de 21%. Mais comme le chiffre d'importation est beaucoup plus important, il veut dire qu'il n'y a pas de dollars. Donc, selon inadéquation entre l'offre et la demande de dollars, inadéquation sont sous justement d'augmentation de taux. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément qu'il faut voir, c'est circulaire 114-2A qui fait que taux a beaucoup plus haut, et ça ne va pas vous expliquer, nous t'expliquer tout à l'heure, au niveau du marché informel. Eh bien, le marché informel, l'y influencer justement le marché formel. Eh bien, ça, c'est un deuxième élément qui permet de comprendre, eh bien, justement, ça qui a passé au niveau du taux. Qui ça pour faire quelques secondes, quand il y avait cette situation là. Ah, mon cher, c'est une question toujours plus difficile là. Maintenant, il y a deux façons de répondre, sur le plan conjoncturel, mais également sur le plan structurel. Sur le plan conjoncturel, pas de résultats en général, puisque les résultats, j'en ai tout à l'heure, sont conjoncturels. C'est la Banque centrale là qui est toujours intervenue. Pour la mettre dollars sur le marché, mais côté le 20 dollars, c'est à travers ses réserves. Or, les réserves, justement, sont en situation de crise, je dis, pratiquement, puisque, notamment, les réserves nettes de change, c'est autour de 500 millions de dollars américains, qui est inférieur à 2 mois d'importation, bien que les réserves brutes, c'est autour de 2,2 milliards de dollars américains. Mais, c'est peut-être, et parce que Banque Centrale, là, a un ensemble de dons, le pas jouent encore, parce que les pays a joué un don, mais ils jouent prêt, Banque Centrale, là, a compté mes dollars pour renforcer les réserves, lui, et que le bail était pratiquement good. Mais ça, nous pas dans une situation, ça. Donc, à court terme, faut que Banque Centrale, là, a fait des injections. Mais, attention, des injections qui visaient le secteur informel, qui mécanisme qu'à mettre en place, je ne sais pas, mais le secteur informel a besoin du dollar, le secteur informel doit trouver du dollar parce qu'il a besoin de faire des transactions véritablement. Nous sommes au niveau conjoncturel. Au niveau structurel, tout le monde toujours dit, il faut renforcer l'économie, il faut créer un cadre sociopolitique qui est favorable au progrès économique dans le pays. Ça, c'est pas gain, ou pas bien bon situation, côté que, ou qu'a fait économie à marché. Non, sur le plan structurel, je pense que la leçon est déjà connue. D'abord, on a une économie qu'il faut renforcer.
et renforcement économique, d'ailleurs, si nous avons élaboré des aspects qu'il faut renforcer et même toucher la question de régulation, eh bien, nous allons même finir pendant l'émission ça. Mais on est d'accord que, écoutez, on a une économie qui a beaucoup de potentialités, mais qui ne sont pas mises à profit. Mais il faut finalement, en tout cas, renforcer l'économie pour mettre à profit toutes les potentialités que nous gagnons. Et, bon, l'autre élément qui est fondamental, je pense qu'il faut toucher parmi en pilote, nous t'as touché, c'est l'élément de stabilité sociopolitique dans le pays. Ça. D'ailleurs, écoutez, moi je pense que c'est un élément destructeur de l'économie sur le plan structurel en Haïti. C'est que, écoutez, comme pays a traversé, souvelé par une instabilité chronique, une stabilité de l'instabilité, puisque à travers toute l'histoire, c'est pratiquement la même chose, eh bien, je vous dis, il faut œuvrer pour la stabilité dans le pays, puisque si pas une stabilité, pas bon environnement qui favorable aux affaires, qui favorable au développement économique et social tant recherché. Président de la République, là, Jovenel Moïse, manifesté solidarité à le secteur religieux et puis secteur privé qui victime pendant dernier jour ça yo en bas mais kidnappé qui a opéré dans le pays. Chef de l'État dit il souhaitait gagner un chita parler pressé entre autorités la mission à membre secteur affaire pour chercher moyen pour sécuriser secteur patronat qui joue un rôle important dans l'économie pays. Que extrait dans micro Sabine Jean-Étienne à Calidier Dieudonné. On profite l'occasion pour moi pour ces bâtiments avec tout secteur privé là, même pas l'occasion pour gros crimes qui fait dans pays là semaine ça et quoi que changement qui fait dans niveau gouvernement les pour permettre. Bon, je réponds bail. Et maintenant, le Premier ministre, Aïa, pour que rapidement, vous ayez un compte qui est fait entre le secteur privé et le gouvernement, pour qu'on ait qui pire bon manière, dans tout pays sur la terre, c'est comme ça, ça arrive. Qui pire bon manière que la police, avec businessman dans le pays, à collaborer, pour permettre que nous fassions prévention, au lieu de tout à ces crier qu'on a crié. Jeudi, tout de suite, mandé pour le ministre qui cherche CSPN pour le rencontrer avec le ministre concerné, je vais parler de vice-président CSPN, ministre de Justice, ministre intérieur, directeur général de police, inspecteur général de police, tout le monde pour chiter avec le secteur privé tout de suite pour bon gens, solution jeune pour que le petit pays a suspendu grillé. Et je profite de l'occasion pour m'annoncer que l'accompagnement que nous avons demandé tout le temps. Pays nous, pays amis nous, les États-Unis commencent par nous. Hier, nous arrêté aux États-Unis. Ça veut dire la police américaine a arrêté aux États-Unis. Il y a un haïtien qui voulait dernier conteneur amener ici. Monsieur Nanmen, la justice américaine aujourd'hui. Et c'est ça que nous demandons. Nous demandons que parce qu'il faut nous bloquer les amener en amont, il faut nous bloquer en aval. Mais si nous continuons à bloquer en aval, c'est même Jean Noël Marion là. Zamna toujours tué mon. Ça veut dire que si nous ne pas bloquer la rivière Marion en amont, ça veut dire que nous empêcher que l'inondé mounion en bas, ça veut dire que nous ne pouvons jamais résoudre le problème d'inondation malfaitière. C'est ça que fait en Haïti aujourd'hui, pour nous résoudre le problème de criminalité et insécurité qui vient là, c'est pour nous bloquer. Ça veut dire que chaque malveillant qui vient dans le pays étranger, parce que c'est pour mieux accueillir dans la diaspora, moi je dis nous. Ça qui arrive, il y a des mauvais envies. Et c'est zéro tolérance pour nous. Parce que nous connaissons nous-mêmes dans la diaspora, nous sommes honnêtes, nous sommes qui travaillent dur. Nous travaillons dur pour nous occuper de famille en Haïti. Nous travaillons dur pour nous remettre Haïti sous pied. Mais pourtant, nous sommes des mauvais larons, mauvais envies. Qui l'autre bord, nous sommes en diaspora. Nous sommes les malfaiteurs. Qui eux-mêmes ont décidé. Au lieu de voir comme pour occuper la famille en Haïti, c'est Zamio voyé pour détruire la population haïtienne. Et bien, quand il y a nous dérapé, ou même qui n'a pas dit ça, commencer à changer de métier, parce que pas les États-Unis, quel que soit côté, depuis ces Zamio voyé ici, collaboration entre deux pays, il y a un marito. Et si vous êtes haïtien, il y a pour retourner là, avec une pénitentiaire. Si vous êtes américain, il n'y a aucun beau. Et ceci, n'a pas fait, ce n'est pas avec les États-Unis seulement, tout notre pays en milieu, la République dominicaine, tout côté, qui vient des mondes qui comprennent
qu'on a fait munitions avec Zamaré dans le pays, n'a pas arrivé sous vous. Parce que moi-même, comme chef de l'État, pour voir que pour le peuple haïtien, dans nos peuples, je me dis non. Si je me dis non, ça veut dire que tout le monde entendait. Que ou c'est chimère, à col, ou c'est bandit, tout plume, tout plume et tout couleur, quel que soit bandit, je n'a pas arrivé sous vous. Ou c'est bandit à sa patte, qui vient à mon amour. Nous dit, c'est l'instruction qui baille. Et c'est pour ça, changement fait rapidement dans la tête. Moun, je voulais parler de l'autorité qui est responsable de la sécurité du pays. C'est même j'attends pour Mario. C'est pas moi qui fais Mario. Mario est dans la tête. Moi. Eh bien, l'homme dit, qui ça fait? Ministre, Abigail Diakla, premier ministre, gouvernement, il a exécuté le projet. Eh bien, c'est même j'ai la sécurité. Moi-même, moi dit, pays a demandé la paix. Il m'a demandé sécurité. Les gens qui sont pour la sécurité, c'est pour tenter. C'est pour la sécurité. Ça veut dire si on ne peut pas travailler, c'est mettre clair en bas. Pour nous chercher les gens qui travaillent. Parce que haïtiens, je me suis présenté ingénieur Janois là comme un jeune garçon. Moi-même, il y a des gens même qui l'aiment j'ai donné. Parce que pas oublier, je travaille 24 heures sur 24. Et où est le monsieur à 1h du matin là, 2h du matin là? C'est même genre, dans la fin sécurité à tout. Tout le monde qui est responsable pour la sécurité dans le pays, pas qu'il y a une loi dominante. C'est la sécurité. C'est ça que la population, c'est nouvelle, ça peuple là pour nous matin. Nous disons ça d'ailleurs, réaction secteur privé, tout le monde comprend. Les gens qui ont fait business dans le pays, c'est moteur économique que vous avez. L'heure du bouquet, c'est pour nous comprendre. Religieux, que des vagabonds campés, le kidnapper, c'est pour connaître que je vous dis, c'est pour nous arriver dans le point, pour payer, nous venons la paix là-dedans. Un monde qui comprend nous vivre dans une zone, pas oublier, Haïti c'est 27 750 km2 de l'île. Pas de aucun moyen sous pays, c'est un coup, on planète. Pour nous, avec volume technologique bien sur la terre, je vous dis, pour ne pas contrôler. Vous pensez que. Messieurs, dames, responsables, sécurité, réveillez-nous, ressaisissez-nous, parce que moi-même, c'est lui, mandez-nous, et nous, c'est des fonctionnaires publics, n'a pas touché comme l'État, n'a pas touché comme peuple, c'est pour nous travailler pour ça. C'est pour nous travailler pour la paix retourner dans toute famille en pays. C'est pour nous travailler pour que bon genre élection qui va le faire dans le pays, qui va sécuriser, référendum qui va le faire, qui va sécuriser, c'est ça le peuple a demandé. Parce que le peuple haïtien, les gens ont grand magasin. L'envie vivre, permettre de vivre. Et pour nous vivre, c'est pour nous mettre en sécurité. Et puis, le secrétaire d'État communication a porté un démenti formel jeudi 15 avril 2021 sur Rimet qui t'a fait croire le gouvernement n'a pas changé. France Exatus s'est dit chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a continué avec une série de dialogues avec plusieurs acteurs dans la société civile dans l'objectif pour mettre campé un nouveau gouvernement. Secrétaire d'État communication a fait connaître le président de la République a passé instruction pour mobiliser toutes les ressources de l'État haïtien. Pour mettre bout dans ZAC insécurité qui a augmenté dernier jour ça yo en dans pays. Midra Emilia, c'est Max Joseph. Raison de faire pour le presse ce matin, c'est pour démentir rumeurs, bricouilles qui ont circulé dans la rue, comme quoi le gouvernement n'a pas changé, le président a reconduit même mon lieu. Ça qui jette confusion dans l'esprit en pile acteur politique. N'a précisé ça qui passé exactement et n'a fait un rappel de mesures président adopté après premier ministre Joseph Jout fin remettre démission. Premièrement, président accepté démission. Président Jovenel Moïse nommé ministre affaires étrangères Claude Joseph comme premier ministre AI. Ça veut dire c'est lui-même actuellement là qui dirige gouvernement pour un petit bout de temps. En attendant, gagner un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement qui prend tête pays à non petit temps qui pas trop long. Non troisième temps, président République là va instruction formelle pour que PMAIA ak res équipe là prend toute disposition qui nécessaire pour renforcer système sécurité à en de pays à. Et chef l'État clair, il a mobilisé toutes ressources qui possible
dans l'État pour bailler les haïtiens sécurité. L'autre précision qui est importante pour nous faire, chef l'État, continuer avec discussion avec acteurs politiques pour arriver dans l'entente qui est nécessaire et puis mettre campé nouveau gouvernement. Deux petits changements qui méritent que nous signaler, nous voyons, mais qui ça y c'est citoyen Michel Patrick Boisvert, qui était déjà ministre Finance, qui nommé ministre AI, ça veut dire pour un petit bout de temps, planification. Parce que c'est ancien PM Joseph Jout qui était occupé pour faire planification. Qui donc c'est ministre Finance qui vient ministre planification AI. Deuxième précision, c'est citoyen Louis Gonzague Dey, qui lui-même ministre intérieur à collectivité territoriale AI. Ça veut dire, il est là un petit bout de temps. Faut que nous disons tout, c'est lui-même qui était occupé poste ministère haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau. Donc, pour me récapituler, pas un gouvernement qui reconduit, c'est même gouvernement qui a liquidé affaire courante. Le premier ministre ou le président, les démissions, c'est tout gouvernement qui démissionnaire. Donc, c'est un PM AI qui a dirigé le gouvernement, mais au moins n'a pas là en attendant la discussion. Il a fini avec acteurs politiques pour que une nouvelle équipe gouvernementale. L'autre information qui est fondamentale, m'a signalé pour la presse et pour la population, il y a un Conseil supérieur de police nationale et spécial. Premier ministre AIA Claude Joseph dirige Jodia. Détail qui est important pour nous connaître qui sorti là-dedans, il a sorti en volontaire. Nous sommes suivis le secrétaire d'État communication hein, qui a porté un démenti formel sur l'email qui a fait quoi gouvernement pas changé. Et puis, conférence évêque à conférence haïtien religieux organisée jeudi 15 avril 2021, yon messe symbolique contre insécurité et kidnapping dans toute l'église PIA. Pendant journée ça, plusieurs l'église dans 10 départements géographiques PIA chante messe, sonne cloche et puis ferme porte établissement et institution yo pour porter solidarité yo à moun qui subit toute forme insécurité et kidnapping et spécialement religieux. Pour zone métropolitaine Port-au-Prince, évêque yo célébré messe yo dans l'église Saint-Pierre Pétionville. En suite. La vie, moi éviter yo, frère Maxime yo, tandis mon Dieu, qu'a dit nous Jodia, quel que soit côté où y a, côté où attendé a, bon Dieu dit, suspend by mon âme. Ak munisyon pou fè sanfle. Bon Dieu di nou, sifan, bay zam, ak munisyon pou fè sanfle. Ye bo se zavou, zam ki nan me yon lan. Pou nou tout nan peyi ya, kapab viv nan kèr boze. Partant demain, partant après-demain, fais ça jeudi, fais ça kounya. C'est appel ça pour Dieu faire. Chaque monde, chaque responsable, bien joué, partition. Par autorité responsable, engagé pour freiner situation. Qui fait la prene dans la boue jodia. Votre changement fait en profondeur pour Haïti capable de prendre chemin qui vous fait sembler à pays côté bon Dieu roi, à pays sans cette loyauté de travail pour y'a quitté pour nous, à pays Jésus devine inauguré. À grand mort et puis le vivant, bien vivant. Nous souhaitons ardemment que les pays amis ne se comportent pas comme des témoins passifs de ce que nous vivons aujourd'hui. Au nom de la fraternité universelle et de la solidarité
international, il n'est pas bon de laisser un pays aller à sa perte. Le kidnapping est un type d'acte illégal condamné par le droit international. Nul ne peut revendiquer le droit de priver l'autre de sa liberté personnelle, surtout en cas d'enlèvement extorsionné dont le but est d'obtenir une rançon en échange de la liberté des personnes innocentes. Le droit international prévoit des sanctions sévères pour ce type d'acte illégal. Hors de cela, nous condamnons le kidnapping d'où qu'il vienne. Pour être ça, nous condamnons chaque kidnapping, quel que soit côté de sortie et quel que soit forme. Faut que nous tous, Haïtiens, prenons responsabilité pour changer la situation. Parce que c'est toi, madame. Parce que nous ne sommes pas capables. Nous avons besoin de vivre. Faut que nous vivions. Bon Dieu t'a créé nous pour la vie. Faut que nous quittions pour génération qui a fini après nous, un pays côté droit respecté, côté tout le monde capable de vivre, un monde qui fait porter mon Dieu, qui fait sembler à mon Dieu. Après 39 ans, parole Pape Jean-Paul II a gardé toute fraîcheur. Votre situation ça a changé. Votre situation a changé. Nous ne sommes pas capables encore de nous bouquer. Faut que nous engagions pour nous finir net avec ce kidnapping, avec la dictature kidnapping. Dans le pays Haïti, chez nous. Vraiment, Chemio, Kembe flambeau, l'espérance non bien humaine. Pas quitter yo voler l'espérance non, parce que Pape François fait dino dans bénédiction, orbi et orbi. 4 avril 2020, pas quitter difficultés au casé, mais c'est pour nous garder devant à confiance, c'est pour nous garder devant à espérance. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, qui attendait des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous était branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne, non? Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.